les Marseillais. Le propriétaire de la villa incendiée veut être indemnisé. Tito Barra, propriétaire de la villa incendiée dans les Marseillais, a fait savoir qu'il attendait toujours d'être indemnisé un peu avant l'été dernier. Les Marseillais et le reste du monde se trouvaient en tournage pour la nouvelle saison de Cross. Si tout se passait bien à Faro, entre les couples et les clashs, un incident se produisait. La villa dans laquelle les candidats se trouvaient a été victime d'un incendie. Les pertes n'étant que matérielles pour les candidats, mais plus de peur que de mal. L'événement a tout de même choqué certains candidats des Marseillais, mais pas pour le propriétaire. D'ailleurs, la plupart ont perdu tout ce qu'ils possédaient. Mais une autre personne a perdu bien plus que. Il s'agit de Tito Barra, le propriétaire de la villa incendiée. Ce dernier a accordé un entretien pour TV Mag et en a profité pour revenir sur cet incident. Expliquant notamment les causes de l'accident, le feu est parti des équipements électriques installés par la production pour le tournage. Les enquêteurs pensent qu'un court-circuit a pu se produire. Les éclairages notamment. La salon, la cuisine, une salle de bain et trois chambres ont été dévastées par un feu de plusieurs centaines de degrés. Suite à cela, Tito Barra attend donc d'être indemnisé par l'équipe des Marseillais. Mais cela n'est pas prévu pour tout de suite. Toujours aucun chèque de la part de la production des Marseillais. Le montant s'élèverait à 1. Pour réparer tous les dommages causés par l'incendie, 2 millions d'euros. Si la prod des Marseillais a assuré à Tito Barra qu'il allait les récupérer, le propriétaire n'en a pas encore vu la couleur. En effet, il ajoute donc, Allianz ne veut pas me payer pour le moment. Mon avocat est en pourparler avec l'équipe des Marseillais, et je ne sais pas quand ils le feront. Mais je n'ai toujours pas reçu le moindre euro de leur part. Il y en a pour 1,2 million d'euros de dommages, et je ne peux pas entamer les travaux. Le montant garanti par l'assurance de Banijay pour un incendie est de 1,5 million d'euros. Nous espérons donc que Tito va enfin pouvoir voir la couleur de la somme demandée, afin qu'il puisse commencer à faire les travaux dans sa maison. Après cela, pas sûr qu'il reste en bon terme avec la prod des Marseillais.